Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, chaleureuse bienvenue dans ce magnifique théâtre de l'Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds. Bienvenue aussi à la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. C'est une soirée qui s'annonce riche en couleurs, riche en émotions, riche en animation. Car derrière ces rideaux, vous le savez certainement, les 16 finalistes du concours se préparent. Ils vont venir sur scène tout à l'heure. Ce sont les 16 meilleurs de Suisse. Ils vont se présenter à vous tout à l'heure. Vous connaissez le concept. Un candidat, une thèse, un seul support visuel qui sera affiché derrière lui et 180 secondes pour essayer de vous convaincre. À l'ère de la diplomatie en 140 caractères, à l'ère aussi où les premiers robots sur Mars tweetent leur découverte, peut-être que le parler court, le parler bien, le parler franc n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. On va peut-être le découvrir, et c'est valable aussi pour les sciences, que ce soit des sciences humaines ou des sciences fondamentales. Ce soir, c'est une soirée festive, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez l'apprécier, mais c'est aussi une finale extrêmement importante pour 16 candidats qui se préparent. C'est pourquoi je vais vous donner deux consignes très importantes que je vous demanderai de respecter. La première, c'est de vous assurer, et c'est très important, que vos téléphones soient sous silence. Une sonnerie de téléphone en plein milieu de la présentation d'un candidat pourrait le déstabiliser et lui coûter cette finale. Je vais vous demander encore une deuxième chose, et ça aussi un rapport avec les mêmes appareils que vous avez sûrement dans vos poches, c'est de couper tous les flashs de vos appareils photo, les flashs de vos téléphones portables. Si vous prenez des photos, un flash pourrait là aussi déstabiliser le candidat. Si vous prenez une vidéo ou une photo, évitez aussi de tenir BA, comme ça, votre appareil au-dessus de vos têtes. Ça pourrait déranger non seulement les personnes qui sont derrière vous, le candidat, et ça pourrait déranger les centaines, les milliers, voire qui sait, les millions d'internautes qui nous regardent, car cette soirée est retransmise en direct sur Internet. Si d'ailleurs sur les internets vous nous regardez ce soir, que vous soyez chez vous ou en itinérance, bienvenue à la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Et vous, ben, souriez, vous êtes filmé. Alors, avant de passer au concours, j'ai le plaisir de donner la parole au recteur de l'université qui organise cette année cette finale, c'est l'université de Neuchâtel. Je vais vous demander de réserver un accueil chaleureux au recteur de l'université de Neuchâtel, monsieur Kilian Stoffel. C'est à vous. Voilà. Madame la conseillère d'État, madame la conseillère communale, monsieur le conseiller communal de la commune de La Chaux-de-Fonds, madame, messieurs les représentants des autorités nationales, cantonales, communales, monsieur le secrétaire général de la conférence universitaire de la Suisse occidentale, mesdames, messieurs les candidats, leurs familles, leurs fans club, bienvenue, mesdames, messieurs. Bienvenue au nom de l'Université de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Peut-être vous avez constaté que c'est un lieu peut-être un petit peu inhabituel pour un événement que l'Université de Neuchâtel organise, mais je vais vous donner quelques arguments quand même pourquoi on est là. Alors, le premier argument, il est patrimonial. Peut-être sur le parcours, quand vous êtes venu vers le théâtre, vous avez vu que les villes de La Chaux-de-Fonds et de l'Holoc sont depuis 10 ans inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on voulait souligner ça en déplaçant un de nos événements, peut-être un des plus grands événements qu'on organise au sein de l'université cette année, ici à La Chaux-de-Fonds. Alors, c'est assez naturel qu'on le fait parce que c'est l'urbanisme horlogère. Si on a une manifestation où le chronomètre est même dans le titre de la manifestation, c'est assez logique qu'on organise ça ici à La Chaux-de-Fonds. Le deuxième argument, je dirais, c'est culturel. Alors, on est dans ce magnifique théâtre qui fait partie des lieux du théâtre populaire roman. Et la mission du théâtre populaire roman, c'est de justement porter aussi le théâtre à la portée du grand public. Un petit peu la même mission comme ma thèse en 180 secondes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il y a des manifestations qui durent un petit peu plus long que 3 minutes. Mais quand même, l'idée de base est la même. Alors ça, c'est déjà deux arguments pourquoi on pourrait le faire ici. Le troisième argument, comme Madame la conseillère d'État est aussi là, c'est peut-être un argument un petit peu politique. Alors actuellement, le mandat de l'université est discuté bientôt devant le Grand Conseil. Et dans ce mandat, il y a beaucoup de choses qu'on demande à l'université, entre autres présents partout dans le canton. Alors c'est aussi une des missions qu'on a déjà
partiellement, je dirais, rempli à ce moment-là. Le quatrième élément, je dirais, il est peut-être un petit peu promotionnel. Alors, comme vous avez constaté, on est ici dans une région très industrielle où l'industrie est vraiment l'élément clé. Et c'est vraiment l'occasion, comme on a le viseur un petit peu cette fois sur des activités académiques, la recherche fondamentale, nous pensons que c'est l'occasion idéale de porter ce type d'activité aussi dans une région où peut-être habituellement on parle plutôt de l'industrie et des thématiques de ce type-là. Et le dernier point, je ne sais pas si vous le prenez très au sérieux, mais il est athlétique. Parce que vous avez peut-être constaté qu'on est à 1000 mètres ici, et comme tous les bons athlètes avant des grandes compétitions, il faut faire des entraînements en altitude. Et je suis convaincu que les candidats suisses vont être extrêmement bien préparés quand ils vont participer au concours international à Dakar à 20 mètres. Alors je pense que pour ça, c'est une très bonne préparation. Voilà, je pense que mes 180 secondes sont déjà finies, mais j'aimerais quand même remercier quelques personnes. Alors tout d'abord, la ville de La Chaux-de-Fonds qui nous a permis d'organiser cet événement ici, qui nous offre aussi le vin durant la pause que vous avez l'occasion de goûter. Deuxièmement, j'aimerais remercier les collègues des différentes universités et la conférence universitaire de la Suisse occidentale d'avoir fait de cet événement, dans quelques années, un événement clé qui est dans la vie académique qui se répète maintenant chaque année. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et à la fin du compte, j'aimerais pas oublier de remercier aux candidats qui ont déjà participé dans des concours internes à chaque université. Et j'aimerais vraiment les remercier parce que ce n'est pas du tout facile dans le temps de faire une thèse, c'est un travail de titan. Après, on sait que les assistants sont quasiment toujours surchargés avec d'autres activités comme les enseignements, les tâches administratives et d'autres participations dans la vie active de l'université. Et c'est très difficile dans ce contexte-là de trouver encore le temps de préparer un événement comme l'événement qu'on voit aujourd'hui. Alors j'aimerais le remercier beaucoup d'avoir fait ça et peu importe du résultat qu'ils vont obtenir, un très grand bravo et merci beaucoup. Merci Monsieur Stéphane. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur Kilian Stoffel. Vous le savez sûrement ou pas, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours itinérant. Ça veut dire que chaque année, la finale est organisée par un autre établissement. Cette année, on l'a vu, c'est l'Université de Neuchâtel. Mais pour garantir la pérennisation de la qualité du concours, ou peut-être pour éviter toute dérive autoritaire, je ne sais pas, ce concours a tout de même un gardien, ou plutôt une gardienne, c'est la Conférence universitaire de Suisse occidentale, la CUSO, et son secrétaire général ce soir aussi, de manière bienveillante, je l'espère, veille sur nous. Merci d'accueillir sur scène M. Denis Biotte. Bonsoir, je vais commencer par tweeter quelque chose. Vous aider peut-être. Je n'ai même pas fichu de faire un selfie, ben voilà, c'est bon. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, je m'épargnerai de reprendre toutes les salutations que Monsieur le Recteur a faites tout à l'heure. Je suis extrêmement honoré d'être ici ce soir. Il y a 4 ans, quand on a commencé avec ce concours, on s'est dit, bon, ben, on va essayer d'attirer un petit peu de public pour écouter des jeunes chercheuses et chercheurs qui parlent de leur thèse. On s'est dit, bon, on va le faire une fois, peut-être deux, on verra si ça marche. Et puis là, c'est la quatrième, et manifestement, vous êtes là, dans cet endroit assez magique. Et il y a des centaines de personnes qui suivent sur Internet. C'est une très belle réussite. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, vous, public, de suivre cet événement, que vous soyez ici dans la salle ou en ligne. Ma thèse en 180 secondes, c'est une invention d'origine australienne qui a été traduite, adaptée par les Canadiens, d'où son côté peut-être un peu festif et spectaculaire, que nos amis québécois pratiquent énormément, qui est centrée sur des personnes que le recteur a comparées tout à l'heure à des athlètes, et je trouve que c'est une très bonne comparaison, parce que ce sont des personnes qui sont jeunes, qui sont en début de carrière,
qui sont extrêmement passionnés, à un point inimaginable sur ce qu'ils font, qui travaillent énormément, peut-être plus que toute autre personne dans l'université, qui sont à fond dans une spécialité, qui s'y consacrent vraiment le jour, la nuit. Federer mange tennis, dort tennis. Eh bien, les doctorantes et doctorants, ils mangent science, ils dorment science, ils pensent à leur thèse à peu près tout le temps. Et ça donne des résultats qui sont extrêmement importants pour l'université, mais qui sont très importants aussi pour la société, parce que c'est avec la recherche, et en particulier avec la recherche fondamentale, que petit à petit, on fait avancer notre niveau de connaissance. Et on est maintenant dans une société de la connaissance. Alors, je vous demande d'accueillir les candidates et candidats avec beaucoup de chaleur et avec votre meilleure écoute. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée de réjouissance. Merci Denis Billotte, on aura l'occasion de vous retrouver à la fin de ce concours pour la cérémonie. Il est temps à présent, je vais demander à la régie d'ouvrir le rideau rouge, que nous puissions tout de même découvrir cette scène. Voilà la place de jeu des candidats, on va bientôt passer au concours, mais d'abord j'aimerais vous présenter le cœur battant du concours. Monsieur Stoffel y a fait allusion tout à l'heure lors de sa présentation, c'est le chronomètre, le voilà, il est disposé ici, ici et devant les candidats. Ils verront donc le temps défiler. C'est un gardien du temps, il est absolument implacable. C'est lui qui va dicter le début et la fin de la prestation des candidats. Au moment précis où le candidat dira « Top, je suis prêt » ou « Je suis prête », eh bien, le chronomètre, je regarde la régie, on peut lancer le chronomètre se mettra à tourner, un petit décompte de 3 secondes, et ensuite... Eh bien voilà, la trotteuse entamera sa course inexorable jusqu'aux 180 secondes. Sauf problème technique majeur, et j'insiste sur le mot majeur, la trotteuse ne s'arrêtera pas, ni pour un bégaiement, ni pour un oubli, ni pour un trou de mémoire. Les candidats se présenteront à vous seuls, ils n'auront droit qu'à un seul support visuel qui sera affiché sur l'écran derrière moi. Pour l'instant, il y a mon nom, c'est pas très intéressant, mais ça sera plus intéressant tout à l'heure. Rien ne pourra absolument arrêter ce chronomètre, je l'ai dit, ils se présenteront devant vous, donc juste avec un support visuel. Ils n'ont droit à aucun accessoire, rien n'est autorisé, ils ont seulement le verbe, l'adverbe et l'éloquence pour tenter de convaincre. Ils vont devoir essayer de convaincre d'abord le jury de cette finale. Le jury, il est là ce soir, il est présent, il nous regarde très attentivement en galerie. Voilà, bonsoir, vous allez bien? Vous êtes prêts? Le jury, ils sont 6. Il est présidé cette année par Monsieur Didier Berbera. Il est conseiller aux États. Monsieur Berbera est très bien accompagné. Il est accompagné du docteur François Baumgartner, le directeur adjoint du Fonds national suisse. Anne Bizang, la directeure du Théâtre populaire roman. Pascale Denelin, c'est la gagnante du concours Ma thèse en 180 secondes de l'année dernière. Elle est doctorante à l'Université de Lausanne. Sarah Diren, journaliste à la RTS. Et puis la professeure Christelle Goutaudier, directrice du collège doctoral à l'Université de Lyon. Voilà, le jury ce soir sera sévère, mais certainement très juste. Il va juger le vocabulaire, le choix des mots, le visuel et la simplicité de la présentation, la structure aussi de la présentation des candidats. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation, mais ils jugeront aussi la prestance, la fluidité, la générosité oratoire, d'une certaine manière, des candidats. Ma thèse en 180 secondes, c'est aussi un concours d'éloquence. Leur jugement, ce soir, est extrêmement important parce qu'il y a de l'enjeu. L'enjeu, il permettra aux 3 meilleurs candidats de gagner des prix. D'abord, le 3e prix, doté de 750 francs, le 2e prix, doté de 1000 francs, et le 1er prix, doté de 1500 francs et d'une qualification directe pour la finale internationale. Elle se déroulera à Dakar en septembre. Mais vous avez aussi un rôle important à jouer. Vous pourrez voter à l'issue de la cérémonie pour votre candidat coup de cœur. Vous avez reçu des jetons. Pour ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Et c'est important puisque ce prix est tout de même doté de 750 francs. N'hésitez pas pendant toute la soirée, d'ailleurs, à tweeter, à snapchatter, à facebooker, à instagrammer. Je ne sais pas si j'oublie un réseau social. Il y a des hashtags pour ça. Voilà, ils sont affichés juste devant vous et derrière moi. C'est valable pour vous et c'est valable pour vous aussi qui êtes en ligne, si vous nous suivez. Vous avez dit des centaines, je suis sûr qu'ils sont des milliers.
Voilà, 180 secondes se sont presque écoulées. Je vous ai expliqué les règles du concours, quelques critères du jury. Je ne suis pas encore éliminé, je vais pouvoir continuer jusqu'à la fin de la soirée. Si le candidat entend ce bruit pendant sa présentation, eh bien ça veut dire qu'il est éliminé. Voilà, j'espère que vous n'avez pas de questions. Je ne peux de toute façon pas y répondre. Place à présent au candidat et surtout au concours. Nous allons accueillir notre premier candidat. C'est une candidate. Elle représente l'université de Lausanne. Elle est infirmière, psychologue, doctorante et aussi enseignante à la Haute École de Santé de Genève où elle accompagne des étudiants infirmiers, à acquérir des compétences de santé mentale et psychique. Elle vient nous présenter sa thèse. Je vous lis son titre. Évaluation précoce de la souffrance psychique des adolescents garçons consultants aux urgences. Merci d'accueillir chaleureusement Aline Forestier. Aline Forestier, si vous en êtes arrivé là, vous connaissez les règles du concours. Vous savez qu'après que je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes prête ? Lorsque vous répondrez, je suis prête, le chrono entamera sa course jusqu'aux 180 secondes. Je me retire et je vous pose la question. Aline Forestier, êtes-vous prête ? Je suis prête. Savez-vous qu'en Suisse, tous les 3 jours, un jeune se suicide. Et parmi eux, les garçons sont le plus concernés. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des moyens plus radicaux, mais surtout parce qu'ils ont une manière différente de montrer leur mal-être. Et que ces signes restent invisibles pour les soignants. Dans ma pratique en pédopsychiatrie, j'ai constaté que nous accueillons plus de filles. Mais où sont les garçons ? Où est Enzo ? Enzo, il est aux urgences pour des problèmes physiques. Et personne n'a découvert son mal-être. C'est à partir de là que j'ai débuté ma thèse. Construite en 3 phases, elle vise à mieux repérer ces adolescents garçons en souffrance psychologique aux urgences. Pour cela, j'ai mené des entretiens collectifs avec des soignants et des adolescents. Mais tout d'abord, j'ai consulté plus de 3000 dossiers d'adolescents âgés de 14 à 18 ans. J'ai fait des tests et sur différents modèles statistiques et identifié les principaux risques. Ils viennent majoritairement pour des problèmes physiques, fractures, douleurs au dos, au ventre. Et lorsqu'ils consultent plus de 4 fois dans l'année, ils ont un problème de santé mentale associé. Enzo, il vient pour la 4e fois. Et personne ne lui a demandé comment il va. Mais pourquoi ? Alors je me suis rapprochée des infirmiers et des médecins pour essayer de comprendre. Ils m'ont dit qu'ils se sentaient démunis pour aborder les questions de santé mentale et accompagner ces garçons. Voilà la vie des soignants. Mais que pensent les adolescents de leur accueil aux urgences ? Imaginez. Vous êtes Enzo, vous venez pour un mal de dos, vous êtes épuisé. Et là, devant vous, une infirmière vous demande « Puis sinon, t'aurais pas envie de mourir ?» Probablement que telle une huître, vous vous refermeriez. Et la prochaine fois, vous ne viendrez plus aux urgences, puisque pour vous ouvrir à la confidence, vous avez besoin de vous sentir en confiance dans un lieu sécurisé. Telle est l'analyse des paroles que j'ai collectées auprès d'Enzo et de ses amis. Finalement, avec ces résultats, j'ai produit des recommandations pour améliorer l'accueil des garçons. J'ai indiqué l'usage de grilles d'évaluation et proposé aux soignants des formations. Tout ça pour réduire le nombre de suicides. Mais surtout, surtout, que le mal-être d'Enzo il soit enfin visible. Merci. Merci. Merci Aline Forestier pour cette histoire du petit Enzo. Aline Forestier qui représente l'université de Lausanne. Place à présent à notre deuxième candidate, là aussi.
Elle représente l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL. Ce n'est pas vraiment sa passion pour la danse latine, c'est une de ses passions qui l'a emmenée jusqu'ici, mais plutôt son amour pour la chimie. C'est plus sérieux. D'Estonie, elle est passée par le Royaume-Uni. La chimie l'a ensuite portée logiquement jusqu'à Bâle. Ça paraît logique en Suisse. Et puis à l'EPFL, avec sa thèse, un titre en anglais. Alors le titre est en anglais, je vous rassure, mais la présentation se passera en français. En revanche, vous avez la chance, avec mon anglais complètement rouillé, que je vous lis le titre de sa thèse en anglais. Designing pentavalent uranium species to uncover the mechanism of environmental uranium reduction. Voilà. Merci d'accueillir à présent la candidate Radmila Faizova. Radmila, vous connaissez les règles du concours. Vous savez qu'à votre top, quand vous direz « je suis prête », le chrono va s'enclencher jusqu'aux 180 secondes. Radmila Faizova, je vous pose la question. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. La radioactivité, synonyme de l'explosion nucléaire et des mutations génétiques en quelque chose de vert et brillant dans l'obscurité, mais qui est en fait un phénomène naturel présent dans l'air que nous respirons, nourriture que nous mangeons, moi, vous, tout est radioactif. La plupart des radiations naturelles trouvent leurs origines dans l'uranium, le croque-mitaine du tableau périodique. Cet élément, il n'y a pas de meilleure réputation. Mais sans cette dernière, nous ne pourrions pas avoir énergie nucléaire, le rêve d'énergie propre et sans limite. Actuellement, 11% d'électricité mondiale est produite par 450 réacteurs nucléaires. Ce qui permet la production fiable d'électricité sans carbone et ne dépend pas des situations géographiques ou conditions météorologiques. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Il y a un aspect désagréable. L'extraction de l'uranium, le traitement et le stockage des déchets nucléaires. Ce sont deux moyens pour l'uranium de pénétrer en environnement à des concentrations dangereusement élevées. Si cela s'est produit, l'uranium réagit avec l'oxygène d'atmosphère et s'oxyde en forme très soluble, appelée uranium 6. De cette façon, l'uranium peut se déplacer avec les rivières et les eaux souterraines pénétrant en ressources en eau. Cela peut être très dangereux. L'uranium peut conduire à une insuffisance rénale et pulmonaire parmi d'autres complications de santé. Heureusement, il y a quelques années, il était découvert que certains types de bactéries peuvent transformer l'uranium de soluble en insoluble, en réduisant uranium 6 à uranium 4. Uranium 4, qui n'est plus soluble, ne peut donc pas contaminer l'eau. Mon projet de thèse porte sur la compréhension précise des mécanismes de ces réductions bactériennes. Notre idée était que uranium 5, l'espèce entre uranium 6 et uranium 4, peuvent jouer un rôle clé dans ces mécanismes. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas possible de tester cette hypothèse, car cette molécule était considérée comme instable dans l'eau. Nous avons donc décidé de stabiliser uranium 5 en attachant différentes molécules organiques, ce que nous appelons ligandes, afin de le protéger des influences destructives de l'eau. Après nombreux essais en laboratoire, on a pu trouver la combinaison parfaite de cette ligande pour fabriquer la première espèce d'uranium 5 stable dans l'eau. Maintenant, nous sommes en mesure de le tester sur les bactéries et de mieux comprendre le mécanisme de cette réduction. Eh bien, que l'éclat dans l'obscurité puisse être pratique, je crois qu'il faut l'éviter à tous les prix. Et j'espère que ma recherche peut aider à développer une meilleure technologie pour le nettoyage de l'uranium. Merci beaucoup. Radmila Faizova de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Notre prochain candidat représente cette fois l'Université de Genève. Il est né
à Paris. Il a 32 ans seulement, et tenez-vous bien, il a été ingénieur en qualité, puis commercial et consultant dans le domaine élargi de la pharma. Il est aujourd'hui aussi président d'une fédération de e-sport. Le e-sport, c'est les jeux vidéo, comme quoi, hein, les jeux vidéo mènent à tout. Il se présente ce soir en nous, en sa qualité de doctorant en biologie, pour nous présenter sa thèse. Là aussi, le titre est en anglais, mais la présentation sera en français. Je me réjouis de vous lire le titre de sa thèse. Role of VPS 13F and LRRKA during intracellular killing of K. pneumoniae by D. discoideum. Merci à présent d'applaudir le candidat, M. Romain Bodinier. Romain Bodinier, vous connaissez les règles. À votre top, le chrono s'enclenchera. Romain, êtes-vous prêt? Chef, oui, chef! Garde à vous! Ici le colonel Amib. Ma spécialité, tuer les bactéries. Mes capacités ont intéressé les scientifiques. Ce soir, je serai le sujet d'étude d'un d'entre eux. Accueillez le doctorant. Bonsoir audience, colonel. Je suis Romain Bodinier, je suis le doctorant qui va vous accompagner pendant les 2 minutes 30 restantes. Et probablement votre question pour l'instant est, mais pourquoi il y a une amibe sur la scène? Et qu'est-ce que c'est une amibe? Une amibe, c'est un organisme unicellulaire dont les capacités à tuer les bactéries sont très similaires aux capacités des cellules de notre système immunitaire à nous défendre contre les bactéries. Et il se trouve que nos organismes sont évolutivement liés. L'étudier, lui, c'est un peu nous étudier, nous. La question initiale de ma thèse, question qui paraît simple, était en combien de temps une amibe tue une bactérie? Pour vous faire mieux cerner la situation, colonel, une démonstration? C'est très simple, l'amibe, je fais comme les globules blancs. Les bactéries, je les repère, je les attrape et je les avale. Et là est le problème, il l'a avalé. Je ne peux plus suivre la bactérie. C'est comme chez les humains. J'ai donc passé ma thèse à développer une technologie qui lie la fluorescence et la microscopie pour pouvoir suivre la bactérie une fois qu'il l'a avalée. Colonel, prenez cette bactérie fluorescente, avalez-la. Et moi, je vais chronométrer en combien de temps il la tue. 5 minutes. Une amibe, une bactérie, 5 minutes. Pourquoi 5 minutes, c'est intéressant? Chez ce cher colonel, le trajet de haut en bas prend 1h30. Elle est morte en 5 minutes. C'est beaucoup plus efficace qu'on s'y attendait. Notre hypothèse, pour expliquer cette efficacité, c'était probablement le système de triage et d'étiquetage des armes chez ce colonel, chez cette amibe, est très efficace. Colonel, je peux prendre votre sac? Voilà. Regardez, dans une cellule, tout est très bien ordonné, tout est très bien étiqueté. Mais si avec un outil génétique, je coupe les étiquettes, je secoue le sac, allez-y, remettez-le, et on fait la même expérience. Prenez cette bactérie, allez-y. Une heure dix, il est devenu presque incapable de tuer la bactérie. Désolé, colonel. Donc, le simple système de triage et d'étiquetage des armes chez une amibe est l'élément le plus critique pour sa capacité à tuer les bactéries. Vous voulez dire un dernier mot, colonel? Donc en gros, pour les nouvelles recrues, si tu veux atomiser une bactérie en 5 minutes, t'as intérêt à savoir où t'as rangé tes missiles. Toi, c'est 50 pompes pour ce que tu viens de faire, et audience, rompez. Merci. Merci Romain Bodinier de l'Université de Genève. Notre prochain candidat est un local, on peut le dire, puisqu'il représente l'Université de Neuchâtel. Un local aussi, carrément, même assez complet, puisqu'il a grandi à Boudry, sur le littoral, au sein d'une famille nombreuse. Il a fait ensuite le lycée Jean Piaget à Neuchâtel, puis l'Université de Neuchâtel, puis il a HEP Berne, Jura, Neuchâtel, enfin bref. Il connaît plutôt bien la région, il aime son coin de pays. C'est un Helvète qui se dit lui-même prudent. Il vient tout de même ici ce soir jouer avec la lumière pour...
pour notre plus grand plaisir. Il est doctorant en philosophie et il vient nous présenter sa thèse « Manière de faire et style comportemental, une analyse conceptuelle de la qualification des actions ». Merci d'accueillir Antoine Vuille. Antoine Vuille, vous connaissez les règles, vous savez la question que je vais vous poser à votre top, le chrono s'enclenchera. Antoine, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Les passants ne marchent pas tous de la même manière. Celui-ci, par exemple, il avance d'un pas énergique. Celui-là, au contraire, a une démarche chancelante et mal assurée. Ma thèse porte sur nos manières d'effectuer une action donnée, marcher, parler, saluer quelqu'un. Quand j'explique l'objet de ma thèse, on me pose en général deux questions. Première question, c'est de la philo, ça, vraiment ? C'est pas plutôt le job des sociologues d'observer le comportement des gens ? Deuxième question, les manières d'agir. C'est un peu vaste, non ? Est-ce qu'il ne faudrait pas cibler un peu ? Effectivement. Si mon but était de décrire la façon qu'ont les gens d'agir, alors ce ne serait pas de la philo, et ce serait un travail infini. Mais ce n'est pas ça mon but. Je ne décris rien. J'analyse une notion. La notion de manière d'agir a de nombreux sens différents. J'essaye d'y mettre un peu d'ordre. Et ça, c'est une démarche caractéristique de la philosophie. On appelle ça l'analyse conceptuelle. Faire de la philo, c'est faire le ménage dans nos concepts. Voici un exemple. Certaines manières peuvent être contrefaites, d'autres non. Quand Neymar chute en grimaçant de douleur, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est souffrant. De même, lorsqu'un étudiant vous regarde d'un air intéressé, ça ne veut pas dire qu'il l'est. En revanche, même un excellent comédien ne peut pas danser élégamment s'il n'est pas bon danseur, ni se mouvoir avec souplesse s'il n'est pas souple. Autre exemple. Certaines manières signifient quelque chose, mais là encore, il faut distinguer les cas. L'enseignant regarde son élève en fronçant les sourcils pour lui faire comprendre qu'il désapprouve. L'élève regarde l'enseignant en rougissant, mais ce n'est pas pour lui faire comprendre qu'il est gêné. Il y a donc des cas où c'est nous qui voulons dire quelque chose à travers notre manière de faire, et des cas où c'est notre manière de faire qui veut dire quelque chose à nos dépens. En bref, la notion qui m'intéresse est un bric-à-brac conceptuel dans lequel il faut faire du rangement. Mon but est de mieux comprendre un concept que nous utilisons tous quotidiennement, mais qui est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît. Merci pour votre attention. Antoine Vuille, merci beaucoup. Place à présent à un tout petit jingle que nous puissions souffler. C'est agréable, non ? Quand vous entendez ce petit jingle, ça veut dire que nous allons faire une petite pause. Alors c'est une petite pause, je vais vous demander de rester dans la salle, car cette petite pause sera courte, mais ça va permettre à nous tous de souffler, parce que 4 fois 3 minutes, ça va assez vite. On peut quand même, puis le temps peut-être qu'on se rende compte, que vous vous rendez compte qu'il s'est passé, donc 4 candidats, 3 minutes, il y a eu à peu près 4 fois 5, 20 ans de travaux de recherche qui vous ont été présentés en 12 minutes. Franchement pas mal. Hein. Cette interpède est l'occasion pour moi aussi de vous rappeler que vous allez devoir voter à l'issue de cette soirée pour votre candidat coup de cœur, votre candidat favori. Alors cette petite intermède vous permet peut-être de vous rafraîchir les idées sur les personnes que vous avez vues. Vous avez le droit de discuter avec votre voisin, de sortir vos téléphones. Moi je discute avec vous comme ça, mais pendant ces intermèdes c'est assez libre. Hein. Si vous voulez parler, n'hésitez pas, je ne sais pas, levez la main ou parlez-moi et... j'essaierai de vous dire quelque chose. Vous pourrez voter grâce aux jetons qui vous ont été distribués à l'entrée. Vous avez touché un petit jeton 180 secondes.
Il suffira tout simplement de mettre le jeton 180 secondes dans l'urne qui correspond à votre candidat préféré. Les urnes se trouvent dans le hall. Ça se fera évidemment à l'issue de la soirée. Ça permet aussi cet intermède au jury de réfléchir un petit peu aux candidats qu'ils ont vus. Alors, eux, ce n'est pas uniquement un vote coup de cœur. Ils ont évidemment des critères à remplir. Vous, je vous conseille de noter quand même un petit mot-clé sur le candidat qui vous a... je ne sais pas, qui vous a fasciné, que vous avez adoré, ou peut-être de noter que le nom que vous avez préféré sur les quatre premiers. J'aurais jamais dû vous dire de parler. Mais profitez, parce que c'est que pour cet intermède. Pour le prochain intermède, ce sera le silence, voilà. Et peut-être que pour le troisième aussi, je ne sais pas. Revenons peut-être sur les candidats, j'ai leur fiche ici. Voilà, on a commencé avec... c'est pour vous aider, hein. Je fais ça pour vous aider, moi. Voilà. Et pour aider un peu le jury aussi. La première candidate, c'était Aline Forestier. Alors, c'était une thématique assez compliquée. Hein. On a parlé de suicide, on a parlé de garçons aux urgences. C'est vrai que parfois, c'est peut-être une thématique qui est sous-estimée. Elle nous a raconté l'histoire du petit Enzo qui arrivait aux urgences. Comment faire passer, au fond, une thèse assez compliquée, une thématique assez complexe, de manière plutôt sympathique. Les problèmes sentimentaux, les problèmes de confiance, bien réalisés. De toute façon, je dirais bien réalisés pour tous les candidats. Hein. Je n'ai pas le droit de vous influencer ou d'influencer le jury. On a vu ensuite Radmila Faizova. Alors, ça paraît compliqué, elle nous a parlé d'uranium, mais elle l'a rendu peut-être un peu magique, hein, ces éléments d'uranium, cet élément qui se trouve partout. Et on a pu se rendre compte, je crois, en tout cas, c'est mon sentiment, je vous parle vraiment de mon sentiment, de la portée de cette recherche. Hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, nous aider peut-être à réduire cet uranium, à le tuer. On a vu ensuite M. Romain Bodinier. Alors là, c'était plus militaire, disons, hein, c'était amibe versus bactéria. Comment tuer les bactéries, comment elles meurent, comment elles se comportent, au fond, ces bactéries. Est-ce que, je ne sais pas, je vais essayer de vous poser une question, ça va être difficile pour la réponse. Vous avez déjà un candidat préféré, peut-être vous, au premier rang? Oui? Ça se dessine, vous, là-bas, vous avez peut-être un candidat ou une candidate préférée? Comme je disais quand tout le monde parlait, je vous conseille de noter. Pardon? Ah, mais dites-le pas! Parce que vous allez influencer les autres, vous allez influencer la gauche de la salle, la droite de la salle. Il fallait juste dire oui. Parce que le jury vous a écouté, du coup, il a peut-être mis une coche supplémentaire. Enfin, je vois que le jury écoute ce que je dis, donc j'imagine qu'il est prêt. Il a eu le temps d'évaluer nos quatre candidats. Il est temps de placer au bloc numéro 2 aux quatre prochains candidats. Notre prochain candidat, c'est un homme, il représente l'université de Lausanne. C'est dans les multinationales qu'il a commencé sa carrière, avant de se tourner peut-être du côté de son premier amour, c'est les entreprises publiques. Il est amateur de basket et de natation, mais c'est pas ça qui l'a amené à sillonner la Suisse pour étudier. C'était pour étudier les administrations publiques. Il va peut-être casser des clichés. Enfin, il en a fait une thèse à l'Institut des hautes études en administration publique. Je vous lis le titre de sa thèse. « L'engagement au travail des employés publics en contexte post-bureaucratique ». Quelles encres dominantes, pour quelle publicitude? Merci d'accueillir sur scène Armand Brice Quadio. Armand Brice, vous connaissez les règles et la rigueur de ce concours. Comme pour tous les autres, à votre top, la trotteuse s'enclenchera jusqu'aux 180 secondes. Armand Brice, je vous pose la question. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Je n'ai pas peur de perdre mon emploi. Je prends toujours une pause à 10 heures. Je pars souvent en vacances. Qui suis-je? Facile, un fonctionnaire. Je suis sûr que tout le monde ici connaît une blague sur les fonctionnaires. Samedi dernier, je dînais avec des copains et devinez quoi? J'ai entendu toutes sortes de choses à propos des fonctionnaires. Paresseux, privilégiés, démotivés, désengagés, enfin, reconnaissons-le, quand on imagine des fonctionnaires, on pense tout de suite à un tas de stéréotypes qui ne datent pas d'hier. Figurez-vous qu'il y a plus de 100 ans, on les appelait déjà des ronds de cuir. Vous savez, ces coussins qu'on utilise pour se caler le dos quand on reste assis trop longtemps. En tant que chercheur, j'oppose à tous ces clichés sur l'administration publique une vérité scientifique. J'ai donc consacré ma thèse à l'engagement au travail, c'est-à-dire le dévouement et l'investissement au travail des employés publics suisses. En fait, je me suis demandé pourquoi ces milliers de personnes se levaient tous les matins, enthousiastes ou pas d'aller travailler, et rentraient chez elles le soir, satisfaites ou pas du devoir accompli.
Pour le comprendre, je suis allé à la rencontre de ces personnes dans leur incroyable diversité. Des hommes et des femmes occupant différentes fonctions. Assistants sociaux, informaticiens, paysagistes, urbanistes, et qui travaillent dans des organisations de toutes sortes. Les cantons, les communes, les chemins de fer, la poste. J'ai voulu savoir ce qui était le plus important à leurs yeux, envers quoi ils restaient loyaux, quel que soit l'emploi occupé ou même l'employeur. À partir de dizaines d'entretiens, j'ai fait émerger des concepts. Ensuite, en mobilisant les outils statistiques, j'ai comparé et testé ces concepts auprès de 2000 employés publics. Ce qui donne le résultat suivant. Comme nous le savons tous, l'administration publique, ce n'est pas un hors-bord, mais encore moins la croisière s'amuse. C'est plutôt un immense paquebot. Et ce que j'ai découvert dans cette thèse, c'est que ce bateau possède plusieurs ancres. Chacune de ces ancres est une raison pour laquelle les collaborateurs ont envie de s'engager. Toutes les ancres d'engagement au travail fonctionnent donc comme des aimants qui attirent et fixent les moussaillons sur le pont. Alors que jusqu'ici, la plupart des chercheurs s'intéressaient à l'engagement organisationnel, j'ai découvert que l'engagement au travail des employés publics tenait dans les quatre ancres suivantes. D'abord, être au cœur des décisions de politique publique. Ensuite, aider son prochain à travers les services publics. Également, voir son travail impacter le devenir de notre société. Finalement, entretenir un lien direct avec les usagers des services publics, en fait, vous et moi. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à jeter désormais un nouveau regard sur les employés publics. Et surtout maintenant qu'on sait ce qui les fait vraiment kiffer. Car au final, si on veut mettre en place des pratiques RH efficaces dans le secteur public, il vaut mieux savoir de qui on parle. Armand Brice Quadio pour l'Université de Lausanne, merci beaucoup. La prochaine candidate représente à présent, c'est pas très joyeux, mais je l'ai dit quand même, l'Université de Genève. Alors avant d'atterrir au bout du Léman, elle a étudié à Strasbourg un diplôme technique en biologie de laboratoire, puis une école d'ingénieurs et un master en biotechnologie, excusez du peu. C'est après un passage à Boston aux États-Unis qu'elle est arrivée en Suisse. Et entre deux parties de jeux vidéo, elle nous fait l'honneur de présenter sa thèse ce soir au titre à nouveau anglais, que je vous traduis pas, mais que je vous lis en anglais. Link between Collins and Repair of DNA Protein Crosslinks in the Yeast of S. Severi-Viae. Merci d'accueillir sur scène Audrey Noirter. Audrey Noirter, la scène est à vous dans quelques instants. Vous connaissez les règles, vous savez la question que je vais vous poser à votre top. Le chrono s'enclenchera. Audrey Noirter, est-ce que vous êtes prête? Oui. On a tous déjà vu un enfant qui ne veut surtout pas lâcher ses parents. Par exemple, devant une école, en face d'inconnus, ou même quand il est temps de quitter la maison. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, dans la cellule, il se passe un peu la même chose. Le support de notre hérédité, c'est l'ADN, et il ressemble à deux longues cordes entrelacées qui forment une hélice. Et au cours de sa vie, cet ADN doit être dupliqué. Et pour ça, il faut séparer les deux brins d'hélice. C'est un peu comme quand vous voulez démêler vos écouteurs le matin pour écouter votre album préféré dans le bus, et vous y arrivez seulement quand le bus est arrivé. L'ADN a donc besoin d'aide, et dans le cas présent, de protéines qu'on appelle topoisomérases, qui sont un peu ces enfants. Quand c'est nécessaire, l'ADN va les appeler. Les topoisomérases vont arriver, s'accrocher à l'ADN, l'aider à se dérouler, puis elles vont s'en aller. Mais malheureusement, parfois, elles ne vont pas se détacher à temps, et elles vont créer un attachement permanent avec l'ADN qui va induire une blessure, puis une cassure. Et c'est très grave, parce que ça peut avoir un tas de conséquences, mais surtout, ça peut mener à l'apparition de cancers. Ma thèse consiste donc à comprendre comment, un, ces protéines vont se fixer, deux, dans quelles circonstances elles vont le faire, et trois, comment va faire la cellule pour réparer les blessures de son ADN. Et pourquoi c'est important d'étudier ça? Dans le monde, une personne meurt du cancer toutes les 2 secondes. En 180 secondes, c'est 90. C'est beaucoup trop. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de thérapies anticancéreuses qui blessent le cancer pour le paralyser et conduire à sa mort.
Alors, vous allez me dire, si c'est si simple, pourquoi on n'utilise pas ça et on éradique le cancer? Eh bien, moi, je vais vous répondre que le problème, c'est que les cellules cancéreuses peuvent elles aussi réparer les blessures que nous leur infligeons. Comprendre comment l'ADN est réparé nous donnera un gros avantage et nous permettra de développer des thérapies plus ciblées et donc plus efficaces où le cancer ne sera pas capable de se soigner. Au cours de mes recherches sur des cellules en culture, j'ai eu la chance d'observer que d'autres protéines qu'on appelle les culines étaient impliquées ou pourraient être impliquées dans la reconnaissance des blessures et pourraient être une cible intéressante pour empêcher le cancer de repérer, mais surtout de réparer son ADN endommagé. En résumé, un enfant qui ne veut pas quitter ses parents, c'est pas grave. Et ça arrive tout le temps. Vous voyez, par exemple, moi, je vis toujours chez mes parents. Mais au bout d'un moment, eh ben, il faut couper le cordon, comme les protéines le font, avec l'ADN. Je vous remercie. Audrey Narter de l'Université de Genève, le prochain candidat, est aussi une candidate qui représente à nouveau l'Université de Neuchâtel. Neuchâtel, où elle est revenue après un passage à l'Université de Fribourg. Et son dada, je vais vous le dire, c'est le chocolat. C'est elle qui nous l'a dit. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'elle est ici, restons sérieux. C'est aussi la psychologie du personnel et des organisations. Sa thèse allie médecine et psychologie. Son titre, la réflexivité dans les simulations médicales. Merci d'accueillir sur scène Camille Morgenthaler. Camille, la scène va vous appartenir dès votre top. Vous connaissez la chanson, je vais vous poser la question. Dès que vous aurez dit « Je suis prête », le chrono s'enclenchera. Camille Morgenthaler, êtes-vous prête? Oui, prête. Vite, chargé à 200. On dégage. Pop. Passer une dose d'adrénaline. Ah, déjà fait. Bon, alors, chargé à 300. Non, mais attendez. Je ne suis pas du tout qualifiée pour réanimer quelqu'un. Imaginez des étudiants en médecine dans cette situation. Appliquer de nouvelles compétences techniques, gérer le travail d'équipe, tout ça dans l'urgence. Vous serez d'accord, la collaboration est une difficulté dans le monde médical. Enfin, une des difficultés. Les psychologues du travail ne sont pas aptes à réanimer des patients. Par contre, nous avons des idées pour aider ces étudiants à mieux collaborer. J'ai conduit une expérience où je les ai confrontés à un mannequin qui fait une crise cardiaque durant une simulation. Pas terrible. J'ai ensuite demandé à ces étudiants de parler de leur performance. Mais comment faire pour les amener à discuter l'essentiel, à réfléchir autrement ? Eh bien, je leur ai donné des questions par écrit focalisées sur la collaboration durant la réanimation. Il s'agit d'un débriefing qu'on appelle réflexivité. Et c'est avec ce concept que j'occupe toutes mes journées. La réflexivité, c'est prendre du recul par rapport à la tâche que l'on vient d'accomplir dans le but de l'améliorer. Revenons à l'expérience. Après cette réflexivité, les étudiants participaient à une seconde simulation avec un patient mannequin, souffrant du même problème cardiaque que le premier. Vous m'entendez? Pas de pouls? Va chercher le défibrillateur, tu commences le massage cardiaque, je m'occupe de le ventiler. Tu. Bam! Alors, les résultats. J'ai comparé les performances avant-après entre deux équipes. Les groupes réflexivité et d'autres groupes qui ne faisaient pas de réflexivité, c'est-à-dire qui n'avaient pas l'occasion de débriefer entre les deux simulations. Les étudiants qui avaient appliqué la réflexivité étaient plus efficaces pour réanimer le deuxième patient. Simple à mettre en place, la réflexivité permettrait d'améliorer la qualité des soins donnés par les médecins et donc la santé des patients. On dit réfléchir avant d'agir. Mais moi, je dis bien aviser ceux qui réfléchissent après avoir agi et qui peuvent apprendre de leurs actions passées.
Merci. 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 C'était Camille Morgenthaler de l'Université de Neuchâtel. Le prochain candidat représente l'EPFL, à nouveau l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et s'il y a une chose, je crois qu'on peut le dire, en tout cas je le dis qu'il apprécie sur cette planète, c'est la neige et plus largement les précipitations. En tout cas, son amour pour ces temps gris l'a emmené de Météo Suisse à l'EPFZ en passant par la Corée du Sud. Autant vous dire que le prochain candidat, niveau flocon, il en connaît un rayon. Je suis très fier de cette vanne. Ce soir, en tout cas, gardons notre sérieux. Il nous présente sa thèse. Là, nouveau, une présentation en français, mais un titre en anglais que je vous lis. Microphysics of Mountainous and Antarctic Snowfall. Merci d'accueillir sur scène Josué Gehring. Josué, vous connaissez les règles du concours et la règle de cette finale. Quand vous direz « je suis prêt », le chrono s'enclenchera. Je me retire et je vous pose la question, Josué Gehring. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Vous êtes-vous déjà demandé, en regardant un flocon de neige tomber, pourquoi a-t-il cette forme particulière ? Eh bien, cette question, je me la pose régulièrement dans mon doctorat. En particulier, quand j'étais en Antarctique, j'ai observé ces différents types de flocons. Vous connaissez le dicton qui dit que chaque flocon est unique ? Eh bien, c'est une bonne occasion pour vous montrer pourquoi. Les cristaux de glace grandissent typiquement dans les hauts d'un nuage par déposition de vapeur en différentes formes, en hexagone, en étoile ou en colonne. Cela dépend des conditions de température et d'humidité. Lorsqu'ils sont assez grands pour tomber, ils peuvent entrer en collision et rester collés, formant ce que l'on appelle des agrégats. L'agrégation conduit donc à de plus gros flocons qui vont tomber plus vite, augmentant ainsi l'intensité des précipitations. D'autre part, lorsque les cristaux de glace entrent en contact avec des gouttelettes d'eau dans les nuages, celles-ci peuvent se solidifier à la surface, formant ce que l'on appelle du givrage. Le givrage rend les cristaux plus sphériques et plus denses, augmentant ainsi la quantité de neige qui tombe au sol. Cela semble clair, les conditions météo ont une influence sur la formation des flocons de neige. Eh bien, le but de mon doctorat, c'est de comprendre comment. Et pour cela, j'utilise des données que nous avons récoltées dans les Alpes suisses, en Corée durant les Jeux olympiques d'hiver et en Antarctique. Je m'intéresse donc aux régions montagneuses et polaires, là où les mesures de chute de neige représentent un véritable défi. Pour le relever, j'utilise des radars météo qui permettent de mesurer les précipitations dans l'atmosphère à distance, ainsi que des instruments au sol pour observer les flocons de neige individuellement. Cette synergie d'instruments à différentes échelles me permet d'étudier comment les conditions météo régionales influencent ces différents types de processus de formation de la neige à l'intérieur même d'un nuage. Tout comme notre environnement géographique influence nos vies, les conditions météo, elles, influencent le type et la quantité de neige qui tombe au sol. Chaque flocon est unique, car leur chemin de vie dans l'atmosphère est différent. Vous vous demandez, mais en quoi est-ce important ? Eh bien, la compréhension de chacun de ces processus est primordiale pour mieux prévoir les chutes de neige. Par exemple, en Antarctique, une bonne prévision des précipitations est cruciale pour déterminer le futur de la calotte polaire. Chaque flocon joue un rôle pour compenser sa fonte, tout comme chaque être humain a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Vous connaissez maintenant ce petit son, cette petite douce musique qui annonce un intermède, une petite discussion. Je vous propose qu'on la fasse peut-être de manière un tout petit peu plus
un tout petit peu plus discrète qu'avant, que je puisse quand même vous raconter quelque chose. L'objectif de ces intermèdes reste le même. Le jury, en ce moment, est à pied d'œuvre pour essayer de délimiter les candidats. Je vais vous faire le petit pointage, comme ça. Là, il s'est écoulé 24 minutes à peu près en moyenne de présentation. Ça représente au minimum 40 ans de travail de recherche. Voilà, on a passé la barre des 40 ans de travail de recherche. Je vous propose aussi, pour essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire, il y a eu quand même 2 fois 4 candidats, ça peut commencer à faire beaucoup au niveau de la mémoire. J'ai pris quelques notes, on peut essayer de les repasser. Nous avons reçu Armand Brice Quadiou. Souvenez-vous, ça c'était assez facile à retenir. Si certains d'entre vous travaillent dans le secteur public, vous avez sûrement apprécié sa présentation. Il a essayé, je ne sais pas s'il a cassé les clichés sur les fonctionnaires, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt un paquebot, mais ce n'est pas non plus un hors-bord, quoi, la fonction publique. Est-ce que je suis concerné? Je ne sais pas, je réfléchirai plus tard. Nous avons eu ensuite Audrey Noirterre de l'Université de Genève, biotechnologie. Là aussi, titre de thèse en anglais. Elle nous a présenté cette histoire, au fond, comme les enfants qui ne veulent pas partir de la maison, cette histoire d'ADN qui ne veulent pas se séparer, mais c'est bien quand même si un jour ils font le pas de se séparer de leurs parents. Nous avons eu ensuite Camille Morgenthaler, que vous avez très bien accueillie. Elle nous a parlé de ces interactions qui existent dans des situations qui peuvent être des situations d'urgence, la collaboration notamment, ce qui se passe en psychologie, en médecine, la collaboration entre les différents corps de métier, les échanges, au fond, qui s'y opèrent. Et puis, Josué Gehring, j'imagine que vous vous souvenez de sa présentation, il nous a parlé de flocons, de présentation, de montagnes, les montagnes et les flocons. Il aurait aussi peut-être pu appeler sa thèse comme ça. Histoire de donner encore un petit peu plus de temps au jury, je suis allé hier regarder qu'est-ce qui se passe en 180 secondes. Alors, il y a des chercheurs qui vous présentent des thèses en 180 secondes, mais je vous ai pris quelques petits autres exemples. Alors, je ne suis pas tous allé les vérifier de ce qui se passe en 180 secondes. J'ai appris, alors, je n'ai pas vérifié moi-même, comme je vous l'ai dit, mais j'ai lu ça normalement sur des sites de bonne réputation. Il faut 180 secondes à la lumière du soleil pour atteindre la première planète du système solaire, Mercure. 3 minutes. Je vois des gens qui hochent de la tête, donc ça veut peut-être dire que j'ai raison, la source est bonne. Ben voilà, il faut 3 minutes, le temps de la présentation d'un candidat pour ces petits photons qui puissent toucher cette première planète qui est une grosse pierre au fond du système solaire. 180 secondes, c'est aussi, et ça c'est peut-être un peu moins joyeux, surtout pour ceux qui ont peur de l'avion. 180 secondes, c'est le temps qu'il a fallu au vol Rio-Paris, Air France, qui s'est abîmé dans l'Atlantique, c'est le temps de sa chute, 180 secondes. Donc les candidats auraient pu présenter leur thèse pendant cette chute, ça aurait peut-être pu occuper les passagers. Je ne devrais pas faire des gags comme ça. Bon, ça fait quelques années, on va dire que... le drame est passé, en tout cas, voilà mes excuses. Et là, alors là, la dernière anecdote, je vois que le jury me regarde à nouveau, donc je pense qu'ils ont terminé. Dernière anecdote, c'est là, je n'ai pas pu la vérifier, mais il paraît aussi que c'est le mariage le plus court de l'histoire de l'humanité. Ils se sont mariés à l'hôtel, ils sont sortis de l'église, la femme est tombée par terre, le mari s'est fichu de la tête de sa femme, elle a demandé le divorce. Voilà. Je vous dis, je ne l'ai pas vérifié, mais j'ai trouvé cette anecdote sympathique. Voilà, je vous propose de passer à ce qu'on appelle dans le jardin le bloc numéro 3, ou plutôt aux 4 prochains candidats. C'est l'avant-dernier bloc. Notre prochaine candidate représente l'Université de Fribourg. C'est la première à représenter l'Université de Fribourg, je crois. C'est d'ailleurs dans cet établissement qu'elle a fait tout son cursus universitaire, sa thèse aussi, enfin presque, car sa thèse est co-dirigée par l'Université de Fribourg et par l'Université d'Aix-Marseille, où elle se rend régulièrement. Et dirons qu'elle n'est pas prête, je pense, d'oublier le chemin, car sa spécialité, c'est la mémoire. Elle est amatrice de jeux de rôle, grandeur nature, et peut-être que ce soir, elle va nous interpréter son plus grand rôle, sa thèse, que je vous lis à nouveau en anglais. « How does refreshing modulate long-term memory representations during working memory maintenance ?» Merci d'accueillir sur scène Fiona Laura Rosley. Fiona, vous connaissez les règles du concours. Vous savez aussi la question que je vais vous poser à votre top. Le chrono entamera sa course. Fiona Laura Rosley, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Quand j'étais plus petite, j'imaginais ma mémoire comme un genre de grande pièce pleine de tiroirs. Et plus j'apprenais, et plus de nouveaux tiroirs se créaient ou s'agrandissaient.
Du coup, dans ma tête d'enfant, j'avais donc très certainement un coin immense de cette pièce, entièrement dédié à Harry Potter, avec des tiroirs plus ou moins grands, étiquetés, potions, sortilèges, etc. Parce que oui, dans nos têtes, on range chaque information de manière stratégique, parce qu'on aimerait les retrouver le plus vite possible et le plus efficacement possible. Toute cette masse de tiroirs, cette grande pièce, c'est votre mémoire à long terme. C'est là que vous rangez d'autres informations, comme comment faire du vélo, comment préparer la pâte à crêpes, toutes des choses comme ça. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est comment cette mémoire à long terme peut vous aider dans la vie de tous les jours en utilisant une autre mémoire qui s'appelle la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, on la connaît beaucoup moins bien. Pourtant, on l'utilise tous les jours, même maintenant d'ailleurs. C'est grâce à elle que vous pouvez m'écouter et en même temps vous demander si à l'apéro vous préférez boire une bière ou plutôt un coca. Cette mémoire de travail, c'est vraiment comme un établi de travail, un plan de travail dans votre tête où vous pouvez vous concentrer sur plusieurs choses en même temps. Dans ma thèse, ce que j'essaye de savoir, c'est comment les deux mémoires font pour s'aider l'une et l'autre. Comment les tiroirs de la mémoire à long terme peuvent arriver sur le plan de travail de la mémoire du travail quand vous en avez besoin. Dans ma théorie, on a tous un genre de bonhomme dans notre tête qui s'active et qui se concentre sur tout ce qu'il y a sur votre plan de travail. Par exemple, quand vous êtes à la cuisine, vous êtes concentré à couper vos tomates, c'est lui qui va se souvenir qu'à côté, il y a l'eau des pâtes qui est en train de cuire et qu'il ne faudrait pas l'oublier, sinon il va y avoir des accidents. Donc moi, je me suis demandé si ce bonhomme, plutôt que rester au plan de travail à surveiller les pâtes, les tomates, il ne pouvait pas aussi vite fait aller dans les tiroirs pour aller chercher une information qui pourrait vous aider dans ce que vous êtes en train de faire, comme tout simplement la recette de cuisine. Du coup, j'ai voulu tester les limites de ce bonhomme en l'empêchant un peu de fonctionner. Et ça, on a de la chance parce qu'on sait très bien le faire en recherche. C'est comme les humains, il suffit de lui faire plein de choses en même temps. Quand vous êtes à la cuisine, tout va bien, vous êtes concentré, et tout d'un coup, vous devez répondre au téléphone, et là, tout va partir en cacahuète. Parce que ça oblige votre bonhomme à se concentrer sur les tomates, sur les pâtes, et ce que vous êtes en train de raconter au téléphone, et ça va l'empêcher de fonctionner. Et dans l'idée, je me suis dit, dans cette optique-là, il ne pourra plus aller dans les tiroirs, il n'aura pas le temps. Ça a l'air logique, hein ? Ben non, ça ne marche pas du tout comme ça. Peu importe que vous fassiez 36 choses en même temps, même si votre bonhomme est surbooké, les tiroirs, ils arrivent quand même au plan de travail, à tous les coups, comme par magie. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre mémoire à long terme, toutes vos connaissances, elles sont accessibles tout le temps, même quand vous faites 36 choses en même temps. Vous pouvez toujours compter dessus. Moi, par contre, je ne sais toujours pas comment ça marche. Ça m'embête. Alors, soit ce bonhomme, il est ultra performant et tellement rapide que j'arriverai jamais à l'embêter assez pour l'empêcher d'aller jusqu'au tiroir, soit il y a quelqu'un d'autre dans notre tête qui s'occupe de faire ça. Et il me reste 2 ans pour le trouver. Fiona Laura Rosslet de l'Université de Fribourg qui a reçu un très bel accueil. Elle aussi, notre prochaine candidate, on enchaîne, nous fait traverser un obstacle, la Sarine de Fribourg jusqu'à Zurich, à l'université qu'elle représente ce soir. Et autant vous dire que les obstacles à notre prochaine candidate, ça ne lui fait pas peur car elle en a traversé un paquet. D'abord, un échec en première année de master. Elle s'est relevée et elle a décidé de changer de cursus, les neurosciences. Et lors de la recherche de son poste de thèse, la première année de recherche, elle a perdu son frère jumeau dans un accident, un traumatisme assez important. Et là aussi, notre prochaine candidate s'est relevée. Elle travaille, ou elle aimerait en tout cas se professionnaliser dans la communication scientifique. Elle en fait parfois à côté. En tout cas, elle nous fait l'honneur ce soir de nous présenter sa thèse que je vous lis. Role of dopamine in motor function recovery after experimental stroke. Merci de faire un accueil chaleureux à Lauriane Nallet-Kosrofian. Lauriane, vous connaissez les règles du concours et vous savez probablement la question que je vais vous poser quand vous direz « je suis prête », le chrono s'enclenchera. Lauriane, prenez votre temps, mais êtes-vous prête ? Je suis prête. Il fait beau. Vous êtes assis à une terrasse, buvant un verre avec des amis. Vous participez à une conversation animée, mais cordiale, sur la politique actuelle. Soudainement, vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez probablement juste besoin d'eau. Sauf que vous n'arrivez pas à lever votre bras. Vous voulez demander de l'aide, mais les mots sortant de votre bouche n'ont aucun sens. Vous perdez conscience.
Vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital. Le médecin vous annonce que vous avez fait un accident vasculaire cérébral et que vous avez perdu la motricité de votre bras. Vous devrez faire de longues séances de physiothérapie sans garantie que vous retrouviez un jour toutes vos capacités. Mesdames, messieurs, les AVC sont la troisième cause mondiale de troubles moteurs. Des thérapies médicamenteuses cherchent à être développées pour améliorer d'une part la réhabilitation et d'autre part les conditions de vie des patients pour lesquels un geste aussi simple, courir une bouteille d'eau, devient un challenge. Une molécule attise tout particulièrement mon intérêt. La dopamine a une panoplie de rôles très importants dans le cerveau, comme par exemple la motivation ou l'apprentissage moteur. D'autant plus qu'il existe déjà des thérapies s'appuyant sur la dopamine pour d'autres maladies de troubles moteurs. Il semblerait donc facile de prendre ces thérapies et de les donner à mes patients, si c'était aussi simple. Des recherches cliniques utilisant ces thérapies après un AVC ont déjà été réalisées. Et les résultats ont été mitigés. Selon l'étude, les patients montraient soit une amélioration de leur état, soit aucun changement. La dopamine a pourtant un vrai potentiel thérapeutique. Il nous suffirait juste de mieux comprendre son rôle dans ce contexte afin de développer des thérapies efficaces. Et c'est ici que j'entre en scène. Et pour comprendre, il faut aller au centre du problème. Un AVC induit la mort des neurones par manque d'oxygène. Et tout autour de cette zone est une région qui a subi ce manque d'oxygène, mais a survécu. Et l'activité de cette zone a été directement liée au niveau de récupération des patients. C'est pour ça que dans ma thèse, j'utilise un modèle animal d'AVC dans lequel j'étudie le rôle de la dopamine dans cette zone, dans la réhabilitation motrice, pour que dans le futur, ouvrir une bouteille d'eau ne soit jamais un challenge. Merci. Merci, Lauriane Nallet-Kosrofian de l'Université de Zurich. Après notre passage à Zurich, je vous propose qu'on revienne à l'Université de Fribourg. C'est cette université que représente notre prochaine candidate. Et je crois qu'elle aime dire que le savoir donne le pouvoir, ça pourrait être son credo. Elle est originaire de la campagne moldave en Roumanie. C'est d'ailleurs à Bucarest qu'elle a commencé sa carrière académique. Elle est licenciée en philologie avec des masters en exégétique et herméneutique biblique, pardon, je suis obligé de le lire, en traductologie aussi et en études médiévales. Elle est arrivée en Suisse il y a 2 ans seulement. Elle a déjà obtenu une bourse d'excellence de la Confédération. Elle nous emmène ce soir dans l'univers, pour moi, plutôt mystérieux de la philologie classique avec sa thèse, son titre, je vous le lis, Alcuin's Ars Grammatica, Translation and Philological Study. Merci d'accueillir sur scène Isabella Stoyan. Isabella, vous connaissez les règles, vous savez qu'à votre top, la trotteuse entamera sa course jusqu'aux 180 secondes. Je vous pose la question comme à tout et à toutes les autres. Isabella, êtes-vous prête ? Oui. Et vous ? Vous ne l'utilisez pas ? Oh, quel outil précieux depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Elle garde nos maisons protégées, nos informations à l'abri et notre argent en sécurité. Elle ouvre les portes, les programmes et les comptes. La clé, sous n'importe quelle forme, donne du pouvoir à celui qui la détient et lui préserve ses biens. Mais avez-vous jamais pensé aux langues? Qui les préserve et qui leur donne accès? Voici la clé, c'est la grammaire. En Europe centrale, au 8e siècle, la grammaire est depuis longtemps méprisée et abandonnée. La langue est laissée sans protection et toutes les informations qu'elle véhicule sont en danger. Mais, un jour, apparaît un héros. Avec l'aide de son meilleur compagnon, il réussit à sauver la langue et tout le trésor des connaissances qu'elle transmet. La langue dont je vous parle, c'est le latin. Le héros Charlemagne et son compagnon, Maître Alcuin.
Sauver le latin n'était pas facile, surtout que plus personne ne l'avait pour langue maternelle. Mais il restait la langue de l'église, de l'administration, de l'école et des relations internationales. Imaginez-vous que toutes les informations officielles soient dans une langue que vous ne connaissez pas. Que faire ? Soit vous laissez tout le pouvoir entre les mains de ceux qui ont accès ou qui prétendent d'avoir accès à la langue, soit vous vous donnez la peine de posséder vous-même sa clé. Alcuin connaît bien l'importance et le pouvoir d'une langue, mais il sait aussi qu'obtenir sa clé est chose difficile. Apprendre la grammaire, c'est comme s'attaquer à un buisson d'épines, dit-il. Heureusement, le maître carolingien détient aussi des stratégies pour apprivoiser l'épineuse gardienne de la langue. Vous voulez les connaître ? Il faut tout simplement lire le traité d'Alcuin sur la grammaire latine. Vous le trouvez dans les manuscrits médiévaux. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'édition fiable ni de traduction de ce texte. Pas encore, parce que je m'en occupe. L'original du texte est perdu, mais 22 copies manuscrites ont survécu. Pour établir le texte le plus proche de l'original, je compare toutes les copies manuscrites existantes, mot par mot. Lorsqu'il y a des différences, je décide de la meilleure variante. Éditer un tel texte, c'est toute une histoire, quoi. Mais c'est le boulot de la philologue classique comme moi. Patiente, persévérante et forte intelligente. En définitive, pourquoi est-ce que j'investis mon énergie à éditer et traduire une grammaire latine médiévale ? Parce que, comme beaucoup d'autres textes écrits dans cette langue morte, celui-ci répond à un souci très actuel. Comment rendre l'éducation agréable ? Alcuin nous montre trois stratégies pour apprendre plus facilement même la grammaire. Le dialogue, le jeu et la compétition. Alors, courage, attrapez-la cette clé et faites bon usage du pouvoir qu'elle vous apporte. Merci. Bravo, c'était Isabelle Astoyan de l'Université de Fribourg. Nous revenons à présent à l'Université de Neuchâtel avec notre prochaine candidate, à nouveau d'origine tunisienne, jeune maman. Elle est arrivée en Suisse en 2013, il y a 6 ans à peine, pour étudier les systèmes d'information. Après un passage à Lausanne, elle s'intéresse à présent au management, à la gestion internationale des ressources humaines. On est un peu du côté éco, plus précisément. Elle nous emmène en Afrique ce soir avec sa thèse. Je vous lis son titre, International Human Resource Management Practices as Critical Success Factors of Foreign Direct Investment in Sub-Saharan African Countries, the Case of the Telecommunication Sector. Merci d'accueillir sur scène Aïcha Hamami. Aïcha, vous aussi vous connaissez les règles et vous connaissez la règle ce soir. Quand vous répondrez « je suis prête », le chrono s'enclenchera. Aïcha, êtes-vous prête ? Je suis prête. Au beau milieu de l'océan, M. Kwame sort son téléphone pour s'assurer qu'il fera beau temps jusqu'à la fin de sa journée de pêche. Eh bien, une tempête s'annonce, il faut revenir tout de suite. Au même moment, dans un hôpital, un petit bout de chou pointe son nez. Le jeune papa envoie un SMS pour l'enregistrer auprès de l'état civil. Vous pensez peut-être que c'est normal ou banal. Qui n'a pas encore accès aujourd'hui à Internet et aux applications mobiles ? Eh bien, en Afrique, c'est vraiment révolutionnaire. Monsieur Kwame est de la Tanzanie, là où le changement climatique est bien visible. Le papa est du Burkina, là où l'identification des nouveau-nés est très problématique. Et c'est grâce aux opérateurs de télécommunications que ces communautés vulnérables ont accès à ces services dans différents domaines, comme la santé, l'agriculture, l'éducation ou l'emploi. Et c'est qu'à partir des années 2000 que ces entreprises, comme Orange ou Vodafone, s'implantent sur le continent de l'avenir, l'Afrique, considérée par certains politiciens comme la Chine de demain. Elles choisissent de développer des filiales à l'étranger, là où elles exercent du contrôle et une influence significative sur la gestion. C'est ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Pas du tout étonnant que ces géants de la télécommunication atteignent des revenus à croissance exponentielle. Là, je me suis demandé, mais alors ces géants, que font-ils en retour pour les employés des pays qui les accueillent ? Ces entreprises recrutent-elles assez au niveau local ? Que font-elles pour que, par exemple, le fils de M. Kwame puisse se développer au sein de l'entreprise ? A-t-il le droit d'accéder à des postes à haute responsabilité ? Dans ma recherche,
J'étudie les motivations de ces entreprises quand elles investissent en Afrique et j'explore spécifiquement le rôle de la gestion des ressources humaines dans le succès de ces investissements. Pour répondre à mes questions, j'interroge d'une part les décideurs pour comprendre leur stratégie. Je m'intéresse également à la perspective locale. Je rencontre les employés pour comprendre leurs attentes et leurs besoins. Vous allez me dire, OK, mais beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ces questions. D'accord, mais eux se sont concentrés sur les aspects interculturels. Moi, de mon côté, j'ai étudié l'aspect managérial. Et parmi mes résultats, j'ai vu que certains investisseurs privilégient les expatriés pour des postes à haute responsabilité ou qu'ils recrutent de la diaspora. J'ai également constaté que dans certains pays africains, on accueille ces investisseurs sans même imposer un cadre de régulation précis. Le risque en cas d'échec, c'est de se retrouver avec des équipements abandonnés, voire dangereux, et des personnes à nouveau sans emploi. L'utilité de ma thèse, c'est donc de fournir le bon cadre de gestion des ressources humaines, non seulement à ces multinationales, mais aussi aux gouvernements et décideurs, pour que ces investissements soient le plus durable possible. Merci. Aïcha Amami pour l'Université de Neuchâtel. Détendez-vous. Vous m'avez l'air un peu tendu, non? Ça va? Tout se passe bien? C'est la deuxième intermède. C'est la dernière intermède, puisqu'après, on n'appellera plus ça une intermède, mais une petite pause de délibération. Alors, la soirée ne sera pas finie. Il nous reste encore quatre candidats. Je continue de vous donner le compte. Il vous a été présenté maintenant de manière extrêmement rapide. Je sens déjà que l'intelligence dans cette salle a beaucoup monté. 60 ans de recherche. Vous avez eu droit à 60 ans de recherche cumulée en l'espace de quelques minutes. Je vous propose, pour vous rafraîchir la mémoire, de repasser rapidement tous nos candidats. Si je retrouve mes fiches, je suis obligé d'avoir des fiches, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, leur sujet de thèse. Nous avons eu Fiona Laura Rosley, qui nous a parlé de mémoire, au fond, la stratégie de la mémoire du travail. Et souvenez-moi, il y a une chose que j'ai adorée, j'adore la mémoire qu'elle étudie, elle nous a dit, c'est la mémoire qui vous permet de vous demander si vous allez boire une bière ou un coca pendant que vous regardez la thèse. Eh bien, figurez-vous que j'adore cette mémoire-là, il m'arrive très régulièrement de l'utiliser. Nous avons entendu aussi Lauriane Nallet-Kosrofian de l'Université de Zurich. Elle nous a parlé d'un thème plutôt compliqué, mais d'une manière vulgarisée, évidemment, comme tous les autres candidats. L'AVC, la thématique assez compliquée de l'AVC. Et on se rend compte peut-être avec ce genre de thèse, finalement, du résultat sur lesquels ça peut déboucher. Comme elle l'a dit, c'est tellement simple. Si on arrivait peut-être à comprendre le rôle, je ne sais plus, pardonnez-moi ce que c'est, si c'est une molécule ou la dopamine, mais on pourrait peut-être soigner certaines conséquences d'un AVC. Nous avons eu aussi Isabella Stoyan qui nous a fait plonger dans l'univers de la philologie classique, qui nous a parlé aussi quand même beaucoup de pouvoir, de politique, au fond, cette fameuse clé qui nous permet d'accéder au savoir. C'était un voyage, en tout cas j'ai vécu ça un petit peu comme un voyage. Et la dernière candidate qui s'est présentée à nous, eh bien c'était Aïcha Amami, vous vous en souvenez certainement. C'était, on va dire, l'histoire peut-être du capitalisme d'aujourd'hui, peut-être un petit côté de post- ou de néocolonialisme au fond, comment sont utilisés ces investissements étrangers, surtout dans les télécommunications en Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais donner encore un petit peu de temps au jury, mais les quatre derniers candidats étaient toutes des candidates, hein, c'était uniquement féminin. Vous le savez peut-être, alors je ne vais pas faire de la publicité ni du prosélytisme, mais le 14 juin, on appelle il y a un appel de certains milieux à la grève des femmes, et bien sachez que ce soir, sur tout l'entier du concours, vous ne le savez pas encore, puisqu'il reste encore quelques candidats, il y a 10 femmes sur 16 candidats. Elles sont donc très largement majoritaires à la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Maintenant, je vous donne peut-être un peu à réfléchir. Elles sont majoritaires ce soir. Elles sont a priori les meilleures de Suisse puisqu'elles sont là. Mais les femmes sont toujours minoritaires. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas vraiment de la politique dans les conseils d'administration ou en politique. Ça vous donne peut-être à réfléchir. Enfin, maintenant, mettez vos cerveaux en pause. Concentrez-vous sur les quatre derniers candidats. Je regarde le jury. Je crois qu'il est prêt. Nous allons donc passer aux quatre derniers candidats. Il est temps de retrouver donc notre prochaine candidate. Elle représente l'Université de Lausanne. Elle est infirmière spécialisée en médecine tropicale. Elle est aussi biologiste spécialisée en parasitologie évolutive. Et puis la scène, je crois qu'on peut le dire, ne lui fait pas vraiment peur, car elle pratique
le théâtre, amatrice aussi de bande dessinée, mais elle n'est pas venue ici pour nous parler de Tintin. Elle est assistante aussi à la Haute École de Santé du canton de Vaud et surtout doctorante en biologie, c'est en fait des titres, et médecine à Neuchâtel. Elle nous raconte ce soir sa thèse, je vous lis son titre, « Maladie tropicale négligée en Suisse, construction d'un enjeu de santé publique et trajectoire expérientielle des femmes migrantes face au dépistage de la maladie de Chagas ». Merci d'accueillir sur scène Madame Élise Rapp. Élise, vous connaissez la règle, à votre top, le chrono s'enclenchera. Je vous pose la question qui est devenue une question d'usage. Élise Rapp, êtes-vous prête ? Ouais, je suis prête. Oh, ça a commencé. Bonsoir, je vais vous parler du parasite comment il s'appelle déjà ? Eh bien, je ne vous dirai pas son nom. Non, je ne vous dirai pas son nom parce que, au fond, qu'est-ce que l'existence ? Je vous le demande. Est-ce que c'est nous nommer qui nous rend existants ? Non, je ne vous donnerai pas son nom, par contre, je vous dirai qu'il existe bel et bien, ce parasite. En fait, il est surtout présent dans d'autres pays, des pays lointains. Parce que là-bas, il est transmis par une punaise. Et cette punaise, elle n'existe pas en Suisse. Alors on ne pense pas qu'il y a des gens infectés par ce parasite tropical. Et pourtant, il y en a. 3000, selon les estimations. Ici, en Suisse, il y a 3 modes de transmission de ce parasite. Par don de sang infecté, par greffe d'organes infectés, et lors de la grossesse, ce qui évidemment concerne surtout la grossesse des femmes qui viennent de là-bas. Mais alors je vous rassure tout de suite, le sang transfusé, les organes greffés sont contrôlés dans toute la Suisse. Et puis à Genève et à Lausanne, on propose un dépistage aux femmes enceintes migrantes. Pardon ? Ah, pourquoi que à Genève et à Lausanne ? Et pourquoi pas ailleurs en Suisse ? Mais ça c'est une excellente question de thèse ! C'est drôle, c'est la mienne. Je propose de suivre ce dépistage comme si c'était vraiment quelqu'un. Je regarde où est-ce qu'il est né, qui c'est qui est là, pour l'aimer, le pousser à grandir, quels sont les obstacles qu'il rencontre dans sa croissance. Enfin, en d'autres termes, comment est-ce que ce dépistage devient un enjeu de santé publique ? Et je... comment je m'y prends ? C'est interactif ce soir. J'analyse des textes et je fais des entretiens avec des gens. Et puis là, je mobilise des concepts que d'autres chercheurs ont élaborés avant moi pour donner du sens à tout ça. Mais pour revenir à Chagas, si je vous dis que l'infection, elle est silencieuse pendant 10, 20, 30 ans et qu'un tiers des personnes infectées développeront un problème de santé, qui peut être grave, le dépistage, il donne un nom, une existence à quelque chose qui jusqu'à maintenant était invisible. Et puis, les médicaments, ils sont très efficaces pour guérir le bébé à la naissance. Pour guérir la maman, on est un petit peu moins au clair. Alors, arrêtez de m'interrompre, c'est un petit peu stressant. J'ai que 3 minutes aussi. On me demande. Mais alors, ces femmes, comment est-ce qu'elles le vivent, ce dépistage, au milieu de toutes ces incertitudes ? Et là, je vous réponds. Excellente question de thèse ! D'autant que si on s'intéresse à une pratique en santé, il est capital de comprendre comment elle est vécue par les personnes concernées, non ? Alors, vous aurez compris, je m'intéresse au dépistage de la maladie de Chagas d'un point de vue santé publique, d'un point de vue de sa pratique à l'hôpital et de l'expérience des femmes enceintes migrantes. Mais, bon, moi, je ne suis pas super au clair sur son nom, parce que c'est vrai ça, si pas tout le monde développera un problème de santé, comment est-ce qu'on appelle ça ? Une maladie ? Une infection ? Et à propos de nommer, l'OMS l'appelle une maladie négligée, parce qu'au niveau mondial, il n'y a pas assez d'efforts de recherche pour lutter contre ce parasite. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit son nom, mais je vous ai dit qu'il existe bel et bien et qu'il est important de lui consacrer des efforts de recherche. Et puis, ce n'est pas le seul. Encore 3 minutes. Non, il y a d'autres maladies. Ah, comment elle s'appelle déjà ? Comment elle s'appelle déjà ? C'était Élise Rapp de l'Université de Lausanne. Nous passons directement à notre prochaine candidate qui représente cette fois l'Université de Genève, où le ciel étoilé, même la nuit, est probablement moins rayonnant que dans son Algérie natale au sud du pays. On dit d'ailleurs que tout est parti chez elle des étoiles, de son envie de les explorer. C'est ses premiers contacts, d'ailleurs, dans son pays d'origine, avec les ordinateurs qui lui ont donné sa vocation, l'informatique. L'informatique d'abord, puis ensuite la physique nucléaire et corpusculaire. Elle l'a étudié à l'Université de Genève, dans une galaxie pas très lointaine. Elle nous présente ce soir sa thèse. Je vous lis son titre. « Intelligence artificielle pour la simulation du calorimètre dans la physique des hautes énergies ». Merci d'accueillir sur scène Dalila Salmani. «
Talia Salamani, vous connaissez les règles, vous connaissez la question que je vais vous poser à votre top. Le chrono s'enclenchera. Talia Salamani, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Que diriez-vous d'un voyage du connu vers l'inconnu? Le premier voyage vers le connu nous amène à l'emblème de la ville de Genève, le jet d'eau. Imaginons-le maintenant, une source très dense à la surface qui donne naissance à une magnifique cascade d'eau propulsée en l'air. Imaginons que cette source, ce point primaire, soit une particule, un minuscule corps de matière, un photon ou un électron par exemple, et que les gouttelettes d'eau plus haut soient des particules secondaires issus de la décomposition de la particule primaire. Eh bien, le but de ma thèse est de recréer cette cascade de particules secondaires en un temps très réduit comparé aux méthodes déjà existantes. Le second voyage vers l'inconnu nous amène à l'autre bout de Genève, au CERN, où se trouve à 100 mètres sous terre un anneau de 27 km, le LHC, qui permet d'accélérer des protons dans deux sens inverses à presque la vitesse de la lumière pour les collisionner. Ces collisions permettent de remonter dans le temps pour recréer l'état initial de l'univers quelques nanosecondes après le Big Bang, et ceci dans le but de comprendre la nature de la matière, digne d'un film de science-fiction. Dans ce tunnel du LHC, une particule primaire qui se déplace va interagir avec sa paroi et se décompose en une cascade de particules. Cette cascade regorge d'informations sur le comportement de la particule primaire. Puisque ce phénomène est si important, nous allons donc le reproduire dans nos ordinateurs avec un processus qu'on appelle simulation. Il coûterait quand même cher de faire tourner le LHC à chaque fois qu'un chercheur voudra analyser une cascade de particules. Mais le problème, c'est que la simulation utilisée au jour d'aujourd'hui est très lente et donc représente un énorme obstacle pour la recherche. Pour ma thèse, je crée des milliers de cascades de particules en quelques secondes, voire millisecondes. Certaines qui seraient semblables à celles qu'on connaît déjà et d'autres inédites qu'on n'a jamais vues. Pour cela, j'utilise un modèle dit génératif qui apprend par l'exemple les différences et les similitudes entre les cascades réelles et puis inventer une nouvelle sur demande. L'intelligence artificielle est en effet capable de cela. Et si ce genre de modèle pouvait même anticiper les propriétés d'une particule avant même qu'elle soit créée dans le LHC, aurions-nous créé une machine capable de comprendre la physique mieux que nos cerveaux? Saurions-nous alors distinguer entre la réalité et la simulation? Merci beaucoup. C'est Talia Salamani qui nous a fait voyager dans l'univers de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Talia Salamani, pardon, de l'Université de Genève. Notre prochain candidat représente à présent l'Université de Fribourg et il ambitionne de devenir avocat depuis qu'il a 4 ans. Si ça, ce n'est pas une vocation, je ne sais pas ce que c'est. Et son passe-temps, c'est son plan B, peut-être pour la carrière, eh bien, c'est la peinture. J'ai plutôt eu l'impression que d'habitude, c'était plutôt l'inverse. Bon, c'est ses parents qui doivent être contents. Enfin, son rêve est sur le point de se réaliser. Il va bientôt démarrer son stage d'avocat. Mais avant cela, ce soir, il nous présente sa thèse avec le titre « Le droit de réponse en ligne ». Merci d'accueillir sur scène très chaleureusement Arnaud Constantin. Arnaud, vous connaissez les règles, je vais vous poser la question. À votre top, le chrono s'enclenchera. Prenez votre temps, Arnaud Constantin. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Quand j'étais petit, j'étais le petit intello, isolé au fond de la cour. Vous savez, celui qu'on déteste par principe, juste pour faire comme tout le monde. Eh bien, c'était moi. Alors, je restais assis seul, pendant des heures, à lire ma bande dessinée préférée, Astérix et Obélix. Rassurez-vous, j'ai grandi maintenant. Enfin, pas vraiment en taille, mais j'ai grandi quand même. Et j'ai laissé cette période solitaire derrière moi. Mais elle m'aura quand même permis de faire un constat non négligeable. C'est que les enfants sont méchants entre eux. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent.
et ils ne peuvent pas se défendre seuls, sauf avec un coup de poing bien placé. Eh bien, devinez quoi, il en va de même sur Internet. Les attaques fusent. Les internautes sont méchants parfois, mal élevés souvent. Et les victimes ne savent pas se défendre par leurs propres moyens. C'est là que j'interviens. Ma thèse a pour but de trouver un moyen efficace pour vous permettre de vous défendre sur Internet. Obélix balançait un menhir, ou à la rigueur, un bon hypercut sur les Romains. C'est très efficace. Et c'est encore possible de se fâcher tout rouge sur Internet en publiant un commentaire assassin ou en insultant l'auteur du contenu qui vous dérange. Mais ce n'est pas conseillé, parce que cette attitude n'est pas prévue par le droit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rester du côté du droit ? Il y a bien le droit pénal ou le droit civil qui permettent, en général, de faire quelque chose. Mais il faut avoir du temps à perdre. Et surtout, il faut passer à la caisse. Alors quoi ? C'est tout ? Je suis venu, j'ai vu, et en plus, je dois accepter que le ciel me tombe sur la tête sans rien dire ? Eh bien non. Il existe un petit nombre d'irréductibles articles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur sur Internet. C'est sur ces articles que je rédige ma thèse sur le droit de réponse. C'est en quelque sorte la potion magique du web. Elle vous permet de donner votre version de l'histoire, sans dire qui a tort ou raison, et sans intervention judiciaire. C'est ça qui est très intéressant. Une version contestée, une réponse. Pas de juge. Pas de juge, pas de sanction. Pas de sanction, pas d'avocat. Pas d'avocat, pas de frais. C'est gratuit. Mais alors, si c'est si bien que ça, pourquoi est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler ? Eh bien, tout simplement parce que les avocats ont oublié que cette possibilité existe. Aussi et surtout parce qu'elle ne leur permet pas d'encaisser des honoraires mirobolants. Tout le monde s'en fout en somme. Tout le monde ? Non. Avec ma thèse, je propose de dépoussiérer le droit de réponse pour que les internautes, mais aussi pour que vous, ne soyez pas aussi démunis que moi lorsque je me heurtais aux brimades de mes camarades de classe dans la cour de récréation. Le droit de réponse est LA solution sur Internet parce que c'est simple, parce que c'est gratuit et parce que c'est rapide. Alors, ne vous laissez plus faire. Hashtag, il est grand temps de réagir. Arnaud Constantin, merci beaucoup. Il représentait l'université de Fribourg. C'était l'avant-dernier candidat ce soir. C'est l'avant-dernier. Vient maintenant évidemment le dernier. Cet ordre a été tiré au sort. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le concours touche bientôt à sa fin. Et notre prochain candidat est né, voilà, j'ai décidé de vous raconter sa vie, d'une mère allemande et d'un père français. Et puis, il nous a dit qu'il a mis du temps, bébé, avant de se mettre à parler, peut-être pour décider quelle langue il fallait parler. En tout cas, ce soir, il va nous prouver qu'il sait aujourd'hui y faire. Niveau études, eh bien, c'est à San Francisco que toute année, il pensait d'abord se lancer dans le design industriel. Mais il s'est dit d'abord, tiens, pourquoi pas d'abord, avant de faire du design, étudier les matériaux. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, passé par Boston, puis après, il a travaillé pour un orfèvre à Florence. Le voilà aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds pour nous présenter sa thèse. Structured Hydrogels, je crois que j'arrive à le dire. Merci d'accueillir avec beaucoup de chaleur M. Alvaro Charlet. Alvaro, vous êtes le dernier. Je pense que vous savez quelles questions je vais vous poser. Et au moment où vous direz « je suis prêt », le chrono s'enclenchera. Peut-être pour la dernière fois de la soirée. Alvaro Charlet, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Vous avez vu cette photo que j'ai prise l'hiver passé à Verbier ? Sacré chute, hein. Mais imaginez un peu son visage crispé par la douleur. D'après vous, quand on se fait vraiment mal au ski, on se fait mal où ? Eh oui, on se fait mal au genou, et plus particulièrement au ligament croisé. C'est quelque chose qui arrive à quand même plus de 3000 personnes chaque année en Suisse. Et si c'est vraiment grave que le ligament est déchiré, il faut venir le remplacer par un nouveau bout de ligament qu'on vient prélever quelque part d'autre dans le corps. Ça paraît super compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout simplement un nouveau bout de ligament artificiel ? Vous avez une idée ?
La réalité, c'est qu'on ne sait pas les faire. Et c'est vraiment une question de science des matériaux. Je ne vous parle pas de faire quelque chose d'aussi compliqué qu'un poumon ou un cœur. Non, non, là, c'est vraiment juste un fil accroché à deux os et qui doit les tenir ensemble. Facile. Alors pour nous, en sciences des matériaux, on classe les ligaments dans la famille des hydrogels. Donc de la matière organique, d'où le nom de gel, et hydro, car ils sont imbibés d'eau. Il nous faudrait donc un tel hydrogel qui soit aussi mou, élastique, mais aussi tenace qu'un vrai ligament. Qu'est-ce que c'est la ténacité? Alors pour nous, la ténacité d'un matériau, c'est sa résistance à la rupture. À quel point il va casser, d'un coup ou pas? Et c'est le sujet de ma thèse, la ténacité des hydrogels. Alors, de retour au labo, je fais un petit peu comme en cuisine. Je viens changer la recette de mes hydrogels, en changeant les ingrédients, donc cette matière organique, en changeant la manière dont je les prépare, je les mélange, les temps de cuisson, etc. Et une fois que j'ai mon bout d'hydrogel, je fais ce que tout scientifique en sciences des matériaux adore faire. Je viens tirer dessus jusqu'à que, paf, ça casse. Et c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Je le regarde au microscope, on voit comment la fracture s'est propagée au travers de mon hydrogel. Et j'essaye de mieux comprendre cette image pour savoir comment ça s'est fait, pour pouvoir améliorer ma recette, pour que la prochaine fois, il faille tirer encore plus fort avant que mon hydrogel ne casse. Et j'espère, ainsi, un jour, faire un hydrogel qui soit tellement tenace qu'on puisse l'utiliser pour faire des ligaments artificiels et qu'on puisse tous retourner au plus vite sur les pistes, même si on s'est déjà fait mal, faire les fifous comme si de rien n'était. Merci beaucoup. Merci Alvaro Charlet, merci à toutes les candidates, merci à tous les candidats de nous avoir présenté leur thèse en 180 secondes. Tous les candidats sont à présent passés, vous entendez la petite musique d'interlude, mais la soirée n'est pas encore terminée. Je vais simplement demander à présent au jury de se lever pour aller délibérer dans la salle qui lui a été réservée afin de délibérer. Vous pouvez vous rendre dans cette salle. Vous allez maintenant pouvoir réfléchir un moment, peut-être repasser sur le profil de tous les candidats. Quant à nous, je vous propose, comme je l'ai fait pour toutes les candidates et tous les candidats, de très vite repasser les candidats que nous avons vus. Nous avons vu Élise Rapp, qui nous a presque fait un show en nous présentant sa thèse, sur scène, évidemment. Elle nous a présenté les maladies tropicales qui sont négligées en Suisse, la négligence surtout du dépistage. Nous avons eu Dalila Salamani, après vous avoir parlé de ciel étoilé. Elle a, au fond, tissé un lien entre l'infiniment petit pour peut-être faire des découvertes qui nous permettront de comprendre l'infiniment grand. Comme quoi, les thèses nous mènent partout. Nous avons reçu ensuite Arnaud Constantin, le peintre, qui veut devenir avocat, et sa thèse, le droit de réponse en ligne. Et puis finalement, Alvaro Charlet, qui vient de nous parler des hydrogels que l'on étire jusqu'à qu'ils cassent. C'est sympa quand même d'être un chercheur. J'ai encore quelque chose à vous dire. Vous avez vu tous les candidats, laissez-moi le temps de retrouver mes fiches. Merci à tous ceux qui s'occupent comme ça de la gestion du... J'adore faire ça. Chaque fois que je vais au cinéma, je fais toujours ça. Chut. Et en Suisse, ça marche très bien. Vous, à présent, nous allons marquer donc une courte pause. Vous l'avez entendu, j'ai demandé au jury de partir délibérer dans la salle qui est prévue à cet effet. Vous allez maintenant aussi pouvoir aller voter dans le hall par lequel vous êtes entré. Je vous rappelle la règle, vous avez reçu un petit jeton, ma thèse, en 180 secondes. Il y a, en sortant sur votre gauche... Peut-être qu'ils les ont mis à droite, qui sait, une petite urne à l'effigie de toutes les candidates et de tous les candidats. Vous n'avez qu'à glisser votre jeton dans l'urne qui correspond à votre coup de cœur, à votre candidate ou à votre candidat préféré. Cette petite pause va durer environ une trentaine de minutes. D'ailleurs, si vous nous regardez en ligne, restez branchés. Vous pouvez maintenant partir, faire autre chose, mais revenez dans une trentaine de minutes pour, évidemment, la remise de tous les prix, la cérémonie, pour savoir qui a remporté ce concours. N'oubliez pas de voter, s'il vous plaît, parce que votre vote est important. Je vous rappelle qu'il permettra à un des candidats de remporter 750 francs. Il y a donc dans le hall aussi une petite agape qui vous est offerte par la ville de La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas un apéro.
L'apéro aura lieu après la cérémonie. On aimerait vous garder en bonne santé. Mais il y a tout de même une petite agape qui est offerte par la ville de La Chaux-de-Fonds. On remercie la ville de La Chaux-de-Fonds. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Revenez, s'il vous plaît, dans 30 minutes. Merci pour votre attention pendant ce concours. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la cérémonie.